retrouvez ici donc un acra de cabillaud. Vous retrouvez une biscuit à l'encre de sèche avec une anguille fumée et un guacamole. La petite tartelette courgette et parmesan. Et juste ici, la spécialité bretonne, la langouille. Bonne dégustation. En amuse-bouche, on propose une petite émulsion de pommes de terre avec le cresson et également la brandade de scré. C'est quoi ça? Le scré, c'est la famille du cabillaud. Alors pour commencer votre menu, donc vous allez avoir le gyoza au canard. Donc avec à l'intérieur un confit de canard, foie gras, noisette. Et pour terminer, je vais verser une émulsion à la verveine. Donc pour poursuivre, vous allez avoir le homard bleu des côtes bretonnes, accompagné des petites carottes de saison de Monsieur Roy et une petite bisque revisitée. Merci. Bonne continuation. C'est pas mal. Donc vous allez avoir la date accompagnée des petites côtes et un petit jus d'étrille. Et monsieur, vous allez avoir la selle d'agneau accompagnée d'un jus perlé. Vous allez avoir les petits pois de rue. Bonne continuation à vous. Ici, pour me présenter les fromages. Oui. Alors. On va commencer dans l'ordre. On va avoir du Pont-l'Évêque de Normandie. Vous allez avoir du Maroilles, qui vient du nord de la France. Comté, en 6 ans d'affinage. Et Cantal. On va avoir deux différents bris. Donc on a un bris très récent et un bris qui est un peu plus affiné et un peu plus goûtu. Le Mondeur du Jura. Et on va avoir une petite tome d'Alsace qui va vraiment être crayeuse. Ensuite, on va passer avec le bleu d'Auvergne. On va avoir une petite taupe du sud-ouest similaire à Gousserati et les chèvres de la région avec le 11 en frais, celle sur chair, Sainte-Mordeau-Touraine, Valencé. Donc, pour terminer avec votre dessert, madame, vous allez avoir le crémeux pistache de Bronte, donc, qui vient du pied de l'Etna en Sicile, accompagné d'un sorbet citron vert basilic. Et également une petite soupe de fraises au vin rouge. Monsieur, donc, vous allez avoir les abricots rôtis au miel qui est accompagné de pointes de citron. Vous allez avoir un crumble romarin. Et pour accompagner vos desserts, vous allez avoir un petit rocher coco, une guimauve à l'anis et une sucette au chocolat. Excellent fin de repas. Thank you.